Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, quand je viens dans le cadre de cette émission, je n'arrête pas de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette émission et je tiens la main sur le cœur à vous dire très sincèrement merci. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour vos messages, vos nombreux messages. J'en reçois des tonnes et des tonnes, je vous jure. Vos nombreux messages qui me font chaud au cœur, qui me poussent à rester debout et à continuer le travail que nous faisons. Merci pour vos critiques, pour vos remarques. C'est des choses importantes qui nous permettent justement de combler le trou ici, l'objectif étant de vous satisfaire et de vous servir. Je l'ai toujours dit et je tiens à le répéter que si vous, nos nombreux téléspectateurs de CPL Télévision n'étiez pas là, CPL Télévision n'existerait pas. Le travail que nous faisons ça parce que vous existez et parce que vous êtes là. Donc merci. Merci beaucoup à vous tous. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle d'une question importante. C'est une question à la fois politique, à la fois familiale. Vous allez voir, vous-même, vous allez tirer des conclusions par rapport à ce que je vais dire. Mais bien avant, laissez-moi, comme il en est d'habitude depuis un temps, vous demander quelques deux, trois choses. La première des choses, la main sur le cœur, très sincèrement, je tiens à vous demander de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous sommes CPL TV. C'est donc notre chaîne YouTube. En entrant dans cette émission, je regardais les nombres d'abonnés. J'ai vu que vous continuez donc à vous abonner sur la chaîne. Nous sommes à 84 800 abonnés. C'est bien. Sincèrement, si vous m'aimez, rassurez-vous que vous êtes abonné de cette chaîne. Si vous regardez ce que nous faisons, rassurez-vous que vous avez déjà cliqué sur la cloche d'abonnement. Ça nous fait beaucoup de bien, ça nous fait énormément plaisir. Allez également vous abonner sur nos pages. Notre page YouTube, c'est @perolouara1. Donc, c'est l'identifiant. Qu'est-ce que j'ai dit? L'identifiant sur Twitter, @perolouara1. Vous pouvez aussi aller nous suivre là-bas. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur notre page Facebook. Là, c'est Perolouara officiel. Abonnez-vous très massivement. Demandez à vos proches, à vos membres de famille de pouvoir le faire. C'est des choses qui font chaud au cœur et qui vous démontrent effectivement que vous êtes dans le cœur de vos téléspectateurs. Ça nous permet de rester debout et de continuer le travail que nous faisons à qui, je l'espère, très très bien et en train de vous satisfaire. La deuxième de choses, je vais vraiment vous demander la main sur le cœur de pouvoir liker la vidéo. En fait, il y a une sorte de campagne qui va peut-être bientôt être lancée parce que ces gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils sont en train de s'organiser pour faire des actions de malfaisance, des mauvais signalements contre toutes les chaînes qui disent la vérité, des chaînes qui exposent d'une certaine manière certaines antivaleurs qui sont devenues aujourd'hui des symboles de gestion de la République par ceux qui sont là aujourd'hui. Mais donc, votre like, votre partage peut donc nous mettre à l'abri de ces actions-là. C'est un geste simple, banal, mais en réalité, c'est un geste très, très significatif qui est vraiment une sorte de parapluie pouvant nous permettre, si des actions, des malfaisances étaient lancées, de pouvoir nous mettre à l'abri. Donc, la main sur le cœur, je voudrais très sincèrement vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez là et à pouvoir la partager. Troisièmement,
Je rigole, je voulais parler de Judith Londolet, mais tôt que je pensais à un de mes téléspectateurs. Bon, écoutez, bon, je voulais vraiment vous demander de pouvoir appeler notre amie Judith Londolet, mais toko. Judith Londolet, mais toko, mais tokos, mais toko lilo. Molati, c'est qui toko, bilamba qui toko, yemoro qui toko. Mais tokos, mais toko lilo. Patronne de la boutique La Londoloise, Judith Londolet, mais toko, c'est donc notre partenaire. Très, très privilégié, je veux dire. Judith. Et donc la patronne de la boutique La Londoloise, qui est spécialisée dans l'habillement homme. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à appeler donc Judith Londolet Betoko. Judith Londolet Betoko. Pour vos vestes, vos chaussures, vos cravates, vos maillots de corps, tout ce qui concerne l'habillement homme, hein, montre tout ça. Judith est là donc pour ça. En passant, cette chemise que je porte aujourd'hui, c'est encore Judith Londolet Betoko qui m'habille. Si elle vous fait plaisir, si vous aimez la couture, tout ça, n'hésitez pas à appeler Judith Londolet Betoko. Dites-lui que vous avez vu Perrault dans une chemise que vous avez aimée et commandée. Elle est belle, hein? Elle est très très belle. Elle est vraiment. Ouais, ça. J'aime. Elle est très très belle. Donc c'est aussi parmi les arrivages de la boutique La Londoloise, commandée. Et Judith Londolet Betoko se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes partout où vous êtes. Les amis, avant d'en arriver à mon sujet, permettez-moi, comme il en est des coutumes, de pouvoir dire deux, trois petites choses sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ne vous fatiguez pas parce qu'en soi, c'est notre pays. Je vous ai toujours dit que le Congo est le seul bien commun que nous avons, nous tous. Le Congo est une sorte d'héritage que nous avons. Et je vous ai toujours prêché, j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé que nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de protéger ce pays, de le développer, et nous devons nous assurer que nous avons légué à nos enfants un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Parce que c'est un credo, parce que l'hymne national le dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. La responsabilité de tous les parents responsables, passez-moi cette redondance, la responsabilité des parents consciencieux, est donc de faire que leurs enfants fassent mieux qu'eux. Je suis père. Je rêve que mes enfants aillent au-delà de ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec certains de mes proches. On discutait, et j'ai dit, ben écoute, je m'appelle Féro Louara. J'ai réussi, moi, à prendre votre nom et à le placer dans le curseur de... Voilà, votre famille est devenue une sorte de griffe. En fait, on rigolait. En fait, il y avait des frères, des cousins qui m'embêtaient. Et moi, je leur ai dit, hey, messieurs, calmez-vous, un peu de respect. Aujourd'hui, quand on parle des Louara, il y en a qui disent Louara. Péro Louara, bah, comment va Congolais, mon ango, ah bah, Burundi. Burundi, ceci, cela. Bon, écoute, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Donc, je voulais vous faire rire, je vous racontais cette petite anecdote. Alors j'ai dit à mes cousins, j'ai dit non, monsieur, calmez-vous. Aujourd'hui, moi j'ai les téléspectateurs qui me font confiance, qui me regardent. Quand vous vous présentez aujourd'hui, vous pouvez dire je suis le frère de Perrault Louara. Vous pouvez dire que je suis un Louara. Quelqu'un peut dire Louara, ce nom me dit quelque chose. Ah oui, c'est Sepel, c'est Perrault Louara, ok. Donc j'ai réussi un peu d'une certaine manière à... Voilà. Donc, mon père, il est décédé, j'étais trop jeune, mais je suis sûr que son nom aujourd'hui est connu d'une certaine manière. Bah, je peux pas prétendre que je suis populaire. Je me suis jamais considéré comme une star et je ne crois pas du tout que je le suis. Je pense même pas que je suis populaire, mais j'ai quand même une petite clique de gens qui croient en moi, toujours qui me regardaient. Alors, je crois que mon père doit être fier de moi quand il sait que quelques personnes suivent son fils, quelques personnes regardent son fils. Là où il est, je pense que ça lui permet de se reposer, tranquillement dans sa tombe et d'être fier du travail que j'ai fait parce que j'ai d'une certaine manière essayé un peu d'amener son nom à... Voilà, donc tous les parents voudront que leurs enfants fassent mieux qu'eux. Et nous, comme peuple, nous avons donc la responsabilité d'y travailler pour que nous puissions léguer à nos enfants ce pays, mais dans un état beaucoup mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Ici, c'est donc un appel à la responsabilité, à la conscience collective. Moi, je suis malheureux quand j'entends des gens dire « Mbokawana, Mbokawana Totekango, Mbokawana, Mbokawana ». Non,
C'est tout simplement irresponsable que de dire ça. Mboka yara na makoloté. Mboka yara na mabokoté. Mboka e ali, résultat ya oyo biso to kosala po yango ezala. Soki biso, to sali ke mboka e ala malamu. Mboka koza malamu. Soki biso pe to memi na ndenga ki manyanga, mboka koza. Or lelo to memi na ndenga ki manyanga, na ndenga pringi ndu nde ba kongole ba luanga. Nde ba kino ba luba. Donc na ndenga pringi ndu benda tika, benda chakal, tindika chakal. C'est comme ça que nous avons ce genre de conséquences. Et moi, je me réserve donc les premières minutes ici pour vous dire que ça tue dans votre pays, ça viole et ça massacre. Je l'ai dit pour que vous, vous puissiez vous rendre compte de la situation. Je l'ai fait comme un lanceur d'alerte. Je l'ai fait comme un lanceur d'alerte. Et j'ai toujours dit, si une personne, si deux personnes, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirais, oui, monsieur Louara, tu as... a quand même contribué à l'éveil de conscience dans ton pays. Donc, voilà. Tu seras heureux, tu pourras mourir en paix en disant, bon, ce pays-là, c'est mon pays. Excusez-moi, j'étais en train de chercher un nom que je dois évoquer dans... Que je dois évoquer dans cette émission. Donc, retenez partout où vous êtes que votre pays a des sérieux problèmes. Votre pays a des sérieux problèmes. Attendez. Voilà. Je veux très vite me retrouver. Je vais d'ailleurs vous lire cet extrait au courant de cette émission. Je vous lirai cet extrait. Voilà donc ce que j'avais à dire. La deuxième chose, je l'ai fait pour essayer de remonter le moral à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. À nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Eux qui vivent des situations compliquées, des situations dramatiques. Je tiens seulement à leur dire, nous sommes ensemble. Ne flanchez pas. Nous sommes avec vous. Le Congo est un et doit rester indivisible. Le Congo doit être pris comme un corps et toutes les parties sont importantes. Dans un corps, il n'y a pas de parties plus importantes ou moins importantes. Je l'ai toujours dit, quand l'orteil est malade, c'est même le cerveau qui est le centre névralgique de la situation est aussi malade. Donc, croyons à l'avenir, restons debout, battons-nous, le meilleur est devant nous. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de baigner en termes de gouvernance dans une médiocrité puante. Ça, c'est évident. Que nous sommes dans une gouvernance sans vision et sans ligne. Où des gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont aucune compétence, sont bombardés au poste les plus élevés. Et nous ressentons le choc, nous ressentons les difficultés dans notre fort intérieur. Mais nous n'avons pas le droit de perdre espoir, parce que quand on perd espoir, on n'a plus le droit de vivre. Battons-nous pour sauver ce pays. Ce pays est le nôtre. Ce pays est le bien que nous avons reçu de nos parents. Et ne perdez pas espoir, je l'ai dit et je le répète, la lumière et le soleil finira par apparaître. Voilà. Voilà les deux, trois petites choses que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je vous prie de ne pas vous fatiguer. Demain, je reviendrai, je redirai la même chose et on va aller comme ça. Les amis, avant de venir à mon sujet, laissez-moi marteler sur une question qui suscite aujourd'hui les débats au pays. Il y en a qui diront que c'est de la polémique, mais ce n'est pas de la polémique, c'est un vrai débat, moi ça m'arrange. C'est la question des rémunérations des députés. Je suis heureux d'avoir réveillé la conscience de nous tous sur le scandale financier, sur le scandale des corruptions, mise en place par le président Tshisekedi et tout son système pour acheter les consciences des gens. Des députés qui n'ont pas été élus et qui ont vendu leurs âmes. Et aujourd'hui, j'ai réussi à amener ce débat sur la place publique et à mettre à nu les avantages indus que ces gens qui ne foutent rien pour la République reçoivent. Quand ils ajoutent 20 000 francs dans les salaires d'un fonctionnaire, ils sont sur toutes les chaînes de télévision pour en parler.
Ils vous disent aujourd'hui qu'on a trouvé un professeur à 150 000 francs. Aujourd'hui, on est arrivé à 300 000. 300 000 ou 350 000, c'est moins de 200 dollars. Le policier gagne combien? Le militaire gagne combien? Mais là, je vous ai fait la démonstration que M. Tshisekedi paye, à l'heure où nous parlons, un député 21 000 dollars américains. Ils sont en train de se vautrer dans la boue sans pour autant me rencontrer sur les éléments que je mets sur la table. Et j'ai vu que des hommes politiques commencent à me rejoindre dans ce combat. Je suis l'homme le plus heureux. La dernière émission, j'ai salué le fait que Martin Fayoulou ait choisi ma voix et la voix de la raison. Parce que quand j'avais commencé à en parler, Tshisekedi avait réuni l'ensemble de tous ses chiens de garde. Il les a envoyés dans des médias pour m'insulter. Mais aujourd'hui, des députés comme Délice et Sanga vous confirment qu'ils gagnent 21 000 dollars américains. J'ai vu qu'ils ont envoyé des députés à la télévision. Ils ont envoyé 10 députés, chacun avait son salaire. L'un a dit qu'il gagnait 7 000 dollars. L'autre dit qu'il gagne 11 000. L'autre, attendez, ce n'est, un secret de... ce n'est pas un secret. Dans des pays de démocratie, dans des pays sérieux, nous devons savoir combien vous gagnez. Et dans la foulée, j'ai fait des révélations sur M. André Mbata. M. André Mbata qui est donc premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'ils ont pris un élément de moi. Il est allé faire diffuser un élément sur des plaintes, sur des nids à la RTNC. Ouh, Mbata, Mbata, Mbata. Je voudrais très rapidement répondre avant de parler de mon sujet. J'ai entendu quelqu'un me répondant en disant « Mbata a construit son honneur. Mbata, ce n'est pas... » Les amis, je regarde la caméra. Mbata a construit quelle image? André Mbata. Quel honneur André Mbata a construit dans ce pays? On dit d'André Mbata que Mbata est professeur. Est-ce qu'on peut nous dire quel est le livre célèbre que Mbata a rédigé, a publié comme professeur d'université? Dans sa carrière de professeur d'université, André Mbata a combien de livres? Est-ce qu'on peut nous dire, André Mbata a défendu sa thèse dans quelle université, dans quel pays? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de vendre Mbata dans la peau d'un super-homme. Mbata, c'est une honte. Je regarde la caméra, je dis, Mbata est une honte et je vais les prouver. Mbata est une honte. Mbata, c'est le prototype des personnes qui disent des choses auxquelles ils ne croient pas. Mbata a tissé son petit nom en s'attaquant à Joseph Kabila. On a connu Mbata dans ce pays-là lorsqu'il a lancé cette histoire de ne toucher pas ma constitution. Qu'est-ce que Mbata n'a pas dit contre Kabila, Joseph? André Mbata. Mbata faisait des conférences partout pour s'attaquer à Kabila. Aujourd'hui, eux, ils sont au pouvoir. Ils refusent même que le docteur Denis Mukwege puisse faire des conférences à Kisangani parce qu'il est en contradiction avec eux. Mbata a insulté à la télévision Emmanuel Ramazani Shadari en disant que Shadari n'était pas un garçon intelligent. Et c'est ce genre, c'est ce monsieur-là que vous voulez nous... Mbata a quel honneur? Mbata est professeur d'université. Il a défendu sa thèse dans quelle université? Première question que je vous pose. Je vous lance un défi. Venez nous dire. Deuxième question. Vous pouvez nous citer deux, trois livres de Mbata, des livres de renom. Mbata a écrit quel ouvrage à succès? Mbata a écrit quel ouvrage à succès? Mbata, on l'a connu dans ce pays à cause de ses insultes et de ses diatribes contre Kabila. Mbata est parmi des personnes qui ne mettaient pas les gants quand il parlait de Kabila. Mbata a insulté Shadari, que Shadari n'est pas un garçon intelligent. Qui lui avait créé des problèmes à cette époque-là? Il est connu pour son intrusion dans la vie politique pendant, avant la revue, avant Kabila. Il a donné des intentions à Kabila, soit disant que Kabila voulait modifier la constitution. Kabila n'a pas modifié la constitution, il leur a donné gracieusement le pouvoir alors qu'il n'avait pas gagné. Un pouvoir avec lequel ils sont en train de jouer aujourd'hui. Quand ils viennent bombant les torses en nous expliquant Mbata, personnalité. Mbata, quelle personnalité? Mbata est qui dans ce pays-là? André Mbata est qui? Professeur d'université, dites-moi, il a défendu sa thèse dans quelle université? Citez-moi les ouvrages à succès de votre professeur Mbata. Citez-moi ces ouvrages. Dans ce pays-là, nous avons des constitutionnalistes et des renoms. On ne peut pas citer Mbata et le mettre dans le même pied d'égalité comme un professeur comme Kalongo Mbikaï, par exemple. D'heureuse mémoire.
Nous avons des professeurs. Mbata n'a pas le niveau d'Evariste Boshab. Nous avons des noms. Le professeur Jacques Njoli, le professeur Gaspard Ngondankoy, le professeur Dieudonné Kalouba. Voilà des savants en matière de constitution que ce pays-là a. Vous ne pouvez pas prendre de ces hommes-là et vous venez aussi mettre Mbata. André Mbata. Il a eu un petit renom, un petit succès parce qu'il insultait Kabila. Et aujourd'hui, Mbata ne veut pas. Mbata ne veut pas que lui, Mbata, qu'on lui fasse des remontrances alors que lui faisait même des insultes à Kabila. Moutarobang Samuninga Zate, André Mbata. André Mbata, André Mbata. Je ne savais pas qu'il était aussi léger, qu'il pouvait craquer pour si peu. Au craquer, dans les lois. Au craquer, non, t'es papa. Au craquer. Tant que vous avez fait la mounoko, fin à Kabila, la conférence est multipliée partout. Tant que vous avez fait la mounoko, le bachadère, le zamaïl était zagé lengi. Tant que vous avez fait le bano, que vous avez fait le koumouté, pour vous, vous avez fait un bon mot. Nandenga ma ben assemblée nationale au lieu de m'appeler il envoie déjà la télé. Mbata est une honte, les amis. André Mbata est une honte. Pourquoi j'ai dit que Mbata est une honte? Mbata ne doit pas être fier d'être membre d'un régime qui mène son pays vers l'abîme. Le régime de Tshisekedi est une calamité pour nous tous. C'est une malédiction, ce régime. Regardez là où ils sont en train d'amener le pays. Regardez ce qu'ils font avec le pays. Vous voulez vanter quelqu'un qui est professeur d'université, mais qui est membre d'un régime de médiocres comme un régime de médiocres comme le régime actuel. La médiocrité, il nous présente que la médiocrité. Regardez là où ils sont en train de mener le pays. J'ai dit que Mbata est une honte parce que le régime qu'ils ont mis en place est en totale contradiction avec ce qu'ils disaient avant. C'est un homme qui n'a pas de conviction, qui n'a pas d'idéal. Sinon, si Mbata était un homme de conviction, aujourd'hui il est casse-tête des régimes. Pourquoi ? Tout ce que Mbata disait hier, ils ne le mettent pas en application aujourd'hui. Parce que c'est tout simplement un régime de médiocres. C'est la médiocrité qui est la base de la gestion du pays aujourd'hui. Quand vous le disiez de Kabila, c'était bien. Mbata, au craqué nanouté. Mbata, au craqué nanouté. Au craqué, papa. Non, au craqué. Non, au craqué. Je l'ai dit et je le répète. Mbata achète des maisons à lui mettre comme des petits pains. Et j'en appelle à la responsabilité d'Augustin Kabouya. N'attendons pas quand Mbata va quitter l'UDPS pour que vous veniez nous dire que Mbata a acheté des maisons. Mbata achète des maisons, il en achète comme des petits pains. Le nouveau riche, André Mbata, nouveau riche, il est en plein enrichissement illicite, rapide, Mbata. Mbata par mois, je le dis, je le confirme, Mbata gagne $200,000 américains des émoluments. $200,000 des émoluments. $100,000 de primes de collaboration. $55,000 de frais secrets de recherche. Plus $500,000 que Samalou Kone lui donne pour gérer les députés de l'Union Sacrée. Je le dis. Maintenant, quand Fayoulou vient vous dire ça, allez aussi arrêter Fayoulou. Parce que quand vous lisez les communiqués de Martin Fayoulou, il reprend même sur des dépenses indues du bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi Bokeko Luka Fayoulou t'es? Pourquoi Bokeko Luka Fayoulou t'es? Mbata est un nouveau riche. Mbata est une honte. Et quand je vois ces gens monter au créneau, commencer à parler, moi, c'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Boshab a écrit un livre ici, je l'ai dit. Boshab a écrit un livre entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Mbata est allé l'insulter partout. Mbata l'a insulté partout. Brokagi Boshab a salagé le camp. Boshab lui a dit, si réellement vous êtes professeur d'université, j'ai écrit un livre de 470 pages. Un livre hautement scientifique que Mbata a tenté de politiser. Qu'il écrive un autre livre. Les scientifiques parlent avec les ouvrages. Mbata koma livre moussousou contenir ba théorie au Boshabache. Tile Mbata koma ta diline. Professeur Mbata, professeur Mbata, professeur Mbata. Des gens qui détruisent des pays comme ça, professeur Mbata, professeur Mbata, professeur Mbata. Quel professeur Mbata? Quel professeur Mbata? Vous voulez intimider qui? Mbata est une honte. À répondre à Boshab, qu'il réponde à Boshab. Boshab a écrit un ouvrage.
Mbata doit répondre à cet ouvrage-là. 470 pages. On lui a dit, si tu veux répondre, réponds. Mbata n'a même pas écrit 10 lignes, même pas un livre de 10 pages pour répondre à Beauchamp. Aujourd'hui qu'il est trempé dans l'enrichissement illicite, il ne veut pas que les gens en parlent. Il est trempé dans la gabégie, dans ces régimes de médiocres, il ne veut pas que les gens en parlent. Au craqué, non, t'es papa, au co-craqué. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Et on ne peut pas vous laisser le détruire. On ne peut pas vous laisser nous amener vers l'abîme comme ça et on vous regarde silencieusement. Non! On va vous réprimander. On va dire à ce peuple, faites attention. J'ai dit aux Congolais, faites attention à Mbata. Mbata nous a menti. Il est une honte parce qu'entre ce qu'il disait hier, les insultes contre Kabila et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est en totale contradiction. Il est dans l'enrichissement illicite, il achète des maisons tous les jours ici. Alors que son peuple est en train de souffrir. Vous dire ça, ce n'est pas vous insulter, monsieur. Vous dire ça, ce n'est pas vous insulter. Bafingi nani? Bafingi moutou mokote? Mbata, professeur d'université. Mbata, le fou, professeur d'université. Arturo Tindabato, professeur. Batseba Ngondankoyouana, Gaspard Ngondankoy. On a des constitutionnalistes dans ce pays. Le professeur Jacques Njoli. Le professeur Évariste Beauchamp. Le professeur Dieudonné Kalouba. Après, il y a Mbata, Mbata. Mbata, c'est un homme d'honneur. Vous allez comparer Mbata à cette crème-là, à ces éminents professeurs-là. Qu'ils vous disent, à défendre la thèse dans l'université, à comment livrer Nini à Malonga ou étudier à Tararalelo. Pour le Congo, on va vous faire craquer. Il faut dire au professeur Mbata que on va, comme lui l'a fait à son temps quand soi-disant il combattait un régime qui était, pour lequel il était contre. Il n'était pas tendre avec Kabila. Il était désobligeant. Il insultait Kabila. Nous, nous ne l'insultons pas. Nous lui opposons les faits. Nous disons aux Congolais que faites attention à Mbata. Ne faites pas confiance à Mbata. Mbata est un homme qui est dans l'enrichissement illicite. Il vous a menti. Il n'a aucun idéal, Mbata. Mbata est une honte. C'est ce que nous disons aux Congolais. Mbata gagne des centaines de milliers de dollars par mois. Mbata achète des maisons. Nous le disons pour que l'UDPS le condamne maintenant. Nous ne voulons pas que ceux qui babébani, bayasune, 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 qu'on dise maintenant Mbata. Après, on me dit... Mbata est allé déposer plainte contre toi. Parce que quand lui Abandoro Bamamba Kabila Kangaraye. Comme ils sont maintenant dans la politique de Maloko et Kotonda. Botondi sa Maloko. Maloko et Kotonda. Honte à vous, hein. Vous faites la honte de Tchèn Tshisekedi Wamulumba, vous. Vous faites vraiment la honte de Tchèn Tshisekedi Wamulumba. Ce gars-là, il doit vraiment se retourner dans sa tombe-là. Heureusement. Mbata n'a pas fait. Dans ce pays, quand on parle de politique, quand on parle des ténors de l'UDPS, Mbata Zarab. Tant que Albert Molle, Kaba Obunda na UDPS, Valentin Moubaki. Jacquemin Chabani, au boutique, na balabala lelo. Jacquemin Chabani. Mbata était où? Mbata Zarab. Mbata Zarab. Pour venir intimider les gens aujourd'hui. Bino. Ça va se savoir comme on dit. Voilà, c'est que je voulais répondre un peu comme ça parce qu'on me dit, non? Mbata est allé hier déposer une plainte contre moi au parquet là-bas. Mbata apporté une plainte aux diffamation. Yo diffama Kabila, yo Mbata, yo Mbata, Kabila Kangara yo. Au fin à Chadaria, on a mis son voiture surtout Gaza Maïlete. Professeur d'université. Batangi Babouchab, Batangi Banani, Bakalo Mbikaï, Batangi Bambata. Bannego. Je suis à combien de minutes là-bas?
Les amis, laissez-moi dire deux, trois petits mots pour lesquels j'étais venu vous voir. J'espère que ça va venir. Je voulais parler des élections. Nous avons vu là la Commission électorale nationale indépendante publier un calendrier. Pas un calendrier. Comment ils ont appelé ça? Feuille de route. Et en quoi cette feuille de route? Les élections sont prévues en 2023. Ils ont dit que le fichier ou l'enrôlement doit commencer à... Je crois qu'il y a un enrôlement en décembre et ils ont dit un certain nombre de choses. Mais je vous ai dit que en quoi les experts organisaient les élections avec Félix Tshisekedi dans un contexte haute aux Anango, ça va devenir impossible. Organiser les élections va donc être impossible parce que même quand vous lisez le tout dernier rapport des experts des Nations Unies qui ont travaillé dans le cadre du PNUD, ils nous disent que les élections dans le format organisé par le Congo ne peuvent être possibles que en 2024. Comment on peut nous dire qu'il y aura élection en 2022? En 2023? Alors que là, nous sommes déjà au mois de septembre, ils n'ont toujours pas publié les calendriers électoraux. Quand vous lisez les prévisions budgétaires des élections, pour cette année 2022, il était prévu que le gouvernement verse plus de 600 millions de dollars américains à la Commission électorale nationale indépendante. Et tout porte à croire qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, quand vous regardez la configuration actuelle, vous pouvez vous rendre évidemment compte que il va être compliqué. Alors, les experts des Nations Unies, dans leur rapport, ils évoquent un certain nombre de choses. Premier élément, c'est la situation sécuritaire qui peut faire que nous n'ayons pas des élections. Aujourd'hui, nous vous parlons. Tshisekedi et ces gens ont même oublié que Bounagana est sous occupation. Regarde, ils vont même dans des fêtes d'anniversaire, trinquant avec des bouteilles de champagne. Ils sont en train de boire, en train de manger, ils sont dans la jouissance. Et ils ont complètement oublié que Bounagana est aujourd'hui sous contrôle. Plus personne n'en parle. Et là, ils sont en train de s'organiser pour faire venir les armées étrangères. Vous avez déjà l'Ouganda dans le pays. Vous avez le Rwanda à Bounagana. Vous avez le Burundi au sud Kivu. Et là, il y a d'autres pays de la sous-région avec cette histoire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et que Tshisekedi nous a amené. Donc, ils vont probablement poser sur la table la question sécuritaire. Quand vous regardez déjà les communicateurs de l'UDPS et de l'Union Sacrée, ils commencent à vous dire qu'en 2016, les conditions évoquées par Kabila pour pousser les élections en 2018 sont les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Kabila avait dit qu'on ne sait pas organiser les élections à cause d'un problème de sécurité, à cause de ceci. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, eux, ils pensent aussi que nous devons pousser les élections. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'élément Yambongo, financier. Les élections doivent nous coûter environ 1 milliard de dollars. Selon les dernières estimations, nous pouvons aller à 800 ou 900 millions de dollars. Et les étapes devaient être financées par échelon. Par exemple, pour les achats des kits électoraux et les autres, cette année 2022, le gouvernement devait donner plus de 600 millions de dollars. Et les caisses de la commission électorale indépendante sont vides parce qu'ils n'ont pas versé l'argent. Vous avez vu la guéguerre, le ping-pong qui a eu lieu entre le président Kadima de la CENI et M. Kazadi, ministre des Finances. Tout porte à croire que l'année qui se termine, l'État n'a pas donné l'argent. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Mais ici, je vais leur poser la question. Entre-temps, la CENI se plaint des problèmes d'argent. De l'autre côté, ils nous disent que la situation financière dans le pays est bonne, que le budget est passé de 4 à 11 milliards, si c'est 10 milliards, que les réserves d'échange sont à 4 milliards. Comment un pays qui a des réserves d'échange de plus de 4 milliards, un pays qui a vu son budget presque triplé, mais ce pays-là a des difficultés de pouvoir résorber ses charges,
Les médecins vont aller en grève, les professeurs vont aller en grève, les députés provinciaux sont impayés, les ministres provinciaux impayés, le budget d'investissement impayé, les provinces ne reçoivent pas les 40%, tout est compliqué, mais ils viennent nous prenant pour des idiots et comme des imbéciles pour nous dire que non, nous avons triplé les budgets. Le budget est aujourd'hui de 10 milliards. Mais quel est l'impact de ces budgets de 10 milliards sur l'assiette des Congolais? Un budget de 10 milliards dans un pays qui a une compagnie d'aviation qui n'a plus d'avion. Un budget de 10 milliards dans un pays qui a des problèmes d'approvisionnement de carburants. Pourquoi? Parce que l'État a pris des responsabilités avec des services pétroliers et il a des dettes qu'il ne paye pas. Ceux-là ont bloqué des stocks. Mais ils viennent vous dire qu'ils ont multiplié le budget de l'État, que les réserves de change se sont multipliées. Donc, le deuxième frein risque d'être le frein financier. Et troisième élément, ça va être l'élément législatif et l'élément il y a politique. Parce que dans la législation, il faut mettre toutes les lois. Est-ce que l'arsenal juridique pour organiser des élections est déjà suffisant? Est-ce que les partis politiques, les politiques sont déjà d'accord sur les formats, les modalités à mettre ensemble? Ça, c'est encore compliqué. Donc, quand on met ces trois éléments ensemble, on se rend à l'évidence que ça commence de plus en plus à devenir hypothétique que nous ayons des élections en 2023. Et c'est voulu, c'est entretenu par Tshisekedi. Félix sait que dans le format actuel, dans le contexte actuel, il ne sera même pas cinquième sur la liste des candidats présidents. Je ne vois pas un Congolais consciencieux qui va prendre son bulletin et qui va aller voter Félix Tshisekedi. Il le sait. Et là, ils sont en train de s'organiser pour tricher aux élections. Mais déjà, ils plantent les décors d'un report des élections. Et là, vous allez voir qu'il est en train de multiplier des stratégies. Il peut donc compter sur la capacité managériale et diplomatique de Vital Kamerhe. Voilà la raison pour laquelle Antoine Bakendeko Bimisa est en prison. Vous allez voir dans les jours qui arrivent ici. Oh, contact ici, consultation là-bas. Mais il y a des scénarios élaborés au cas où nous n'avons pas des élections. Parce qu'il est clair, selon les experts, que les élections en 2023 commencent à être hypothétiques. Le premier scénario qu'on élabore, c'est le scénario où il y aura la paix, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi réussisse à mettre ensemble Kabila et les autres membres de l'opposition pour qu'il fasse comme Kabila en 2016. On se distribue des postes et on permet à Tshisekedi d'avoir son glissement de 2 ans. Là, c'est une possibilité de paix pacifique parce que les politiques aiment tellement se retrouver qu'ils vont y aller. Mais là, il va se poser un problème. Le problème, c'est que les adversaires de Félix Tshisekedi d'en face ne sont pas comme les adversaires de Kabila d'hier. Kabila avait en face de lui des piaquères, des gens qui n'avaient rien. Des gens qui étaient démunis, qui cherchaient de l'argent. Qui sautaient sur les premières occasions pour avoir l'argent. C'est comme ça que Kabila allait débaucher à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les forces en présence de l'autre côté, il est difficile que Tshisekedi réussisse ça. Kabila lui-même est un homme qui a dirigé le pays plus de 18 ans. C'est un homme assis financièrement. C'est un homme qui a une manne financière assez confortable pour ne pas aller lécher Tshisekedi pour l'argent. Katumbi, mêmement, c'est un homme qui est financièrement assis. Fayulu peut ne pas avoir l'argent, mais c'est un homme qui a un idéal, qui est capable de dormir affamé pour ses convictions. Donc, il va être difficile à Félix Tshisekedi d'aller prendre ceux-là. Ah, mais maman, non. Il en a déjà quelques-uns, comme Jean-Pierre Bemba, qui vient vendu son âme et qui commence à aller prêcher Tshisekedi comme un. Voilà, comme un. Je ne sais pas. Donc, l'hypothèse d'aller prendre de l'autre côté, ça va être compliqué. Et puis, deuxième chose, ça va se compliquer pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est un allié politique instable. Il suffit de faire une petite lecture rétrospective des alliances avec Tshisekedi pour se rendre compte qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il trahit toutes les personnes qui viennent l'aider. Il ne respecte pas ses engagements. Il prend des engagements qu'il ne respecte pas. Ce n'est pas un homme fiable, Félix Tshisekedi. C'est pas un homme fiable. Ces deux éléments peuvent donc être des goulots d'étranglement qui vont empêcher à Félix Tshisekedi de pouvoir obtenir
ce qu'il voudra. Deuxième hypothèse. Les gens estiment qu'on peut dire Tshisekedi, sachant que la force de l'autre côté, c'est Kabila, parce qu'il a l'armée, il a tout, il a encore beaucoup de connexions dans l'armée, il a le moyen. Il peut dealer avec Tshisekedi pour ressusciter l'alliance FCC-CACH. Je vous remets votre majorité, je vous remets l'Assemblée nationale, je vous remets le Sénat. Vous me donnez mon glissement et puis on va voir. Ça aussi, selon les experts, ça va être très, très compliqué. Ça ne passera pas. Parce que Kabila a perdu toute confiance à Tshisekedi. D'ailleurs, les informations indiquent que Tshisekedi a tenté plusieurs fois de renouer des relations avec Kabila et même de l'avoir au téléphone pour une conversation. Kabila a refusé. Et la troisième hypothèse, que beaucoup considèrent comme étant une hypothèse plausible, c'est-à-dire une hypothèse à laquelle il faut s'attendre, c'est l'explosion. Et on dit pour cela que Kabila, qui a encore des sérieuses connexions au niveau de l'armée, parce que vous le vouliez ou pas, cette armée-là, c'est l'œuvre de Kabila. Kabila, qui a encore des sérieuses connexions au niveau de l'armée, peut éventuellement faire parler la poudre pour chasser Félix Tshisekedi. Et les experts estiment que ça, c'est une version plausible. Moi, je vais dire ce que je pense. Moi, ce que je pense de la situation, qu'il monte, qu'il descende, Félix Tshisekedi, en termes d'avenir, tout est gâté. La seule possibilité qui reste à cet homme de pouvoir sortir un peu calmement pour aller jouir, comme il aime beaucoup la jouissance, de tout ce qu'ils ont gagné, de tous les pièges systématiques qu'ils sont en train de faire au niveau de la République, Tshisekedi n'a qu'à prendre ses responsabilités et à partir, à faire les François Hollande. Toute autre manœuvre que Félix Tshisekedi fera, autre que celle-là, va l'amener vers sa ruine. Parce qu'aujourd'hui, la tension que Tshisekedi a suscitée, de par la dictature qu'il est en train d'imposer, de par les détournements, les scandales financiers, de par l'amateurisme dans sa gouvernance et dans sa gestion, fait qu'aujourd'hui, la République est comme assise sur une sorte de poudrière. Il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'enflamme. Nous courons un grand danger. Et la plupart des gens n'attendent plus qu'un prétexte. Beaucoup se disent, il ne faut pas faire une chose maintenant pour qu'on ne vous accuse pas, en disant non, ils ont renversé l'ordre constitutionnel. Mais lorsque les gens se rendront compte que Tshisekedi est dans l'impossibilité d'organiser les élections, ou qu'il ne nous donne pas des élections, il va perdre sa légitimité. Et le manque de légitimité risque de justifier un coup de force qu'on peut faire contre lui. Parce qu'à ce moment-là, on ne renversera pas un président légitime. Je sais qu'ils vont vous évoquer l'article qui dit 70, je crois. Le président en fonction reste... Mais ses adversaires n'attendent plus qu'un prétexte. Et si Tshisekedi n'organise pas les élections, il va leur prêter ces prétextes-là. Il a perdu sa légitimité. Il n'est plus un homme. Un coup qu'on fait contre lui, ce n'est pas un renversement de l'ordre constitutionnel. Deuxièmement, si Tshisekedi organise des élections alambiquées en désordre et qu'il triche dans ces élections comme il en a l'idée, on peut lui faire un coup en justifiant, un coup de force en justifiant le fait qu'il ait triché aux élections. Donc il est entre le marteau et l'enclume. La solution, s'il lui reste un peu de sagesse pour se sauver lui-même et pour sauver ce pays, c'est qu'il a déjà gagné. Il était venu visiblement pour assouvir ses passions, le tourisme, la jouissance, l'enrichissement rapide. Il a déjà obtenu ces choses-là. Il nous a montré ses insuffisances et ses limites à la tête du pays. Il n'a qu'à prendre tout ce qu'il a pris, à rentrer calmement, à aller continuer sa jouissance en Belgique et de nous laisser le pays en paix. Toute autre manœuvre que Félix Tshisekedi entreprendra en dehors de ce que je suis en train de vous dire risque de nous mettre nous tous en insécurité. Et lui en premier. Nous devons faire très très attention et être vigilants. Le pays est assis sur une sorte de poudrière. Ces gens qui sont au pays là, qui sont en train de diriger le pays, dans leur jouissance, dans leur amateurisme, dans leur incompétence, sont en train de nous mettre dans une situation très compliquée. Mais moi, mon vœu le plus ardent est que nous puissions nous organiser pour chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Félix Tshisekedi n'est pas à sa place. Chaque
chaque seconde, chaque minute que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous met en insécurité. Et comme je suis démocrate, je souhaite que nous ayons des élections libres et démocratiques pour chasser ce monsieur qui a totalement échoué. Il nous a fait perdre 5 ans. 5 ans de mandat de Félix, c'était un gâchis. On a perdu comme ça 5 ans. Je souhaite ardemment que nous puissions prendre nos responsabilités pour qu'il n'est pas du tout à sa place. À lui et aux gens qui l'entourent de faire preuve de sagesse, de prendre des décisions judicieuses pour leur propre vie et pour la vie de la République. Mais s'il continue dans cette vie de jouissance et de lâcheté, n'attendent plus qu'un prétexte. Et tu sais qu'il risque de leur offrir ce prétexte-là. Le pouvoir, quand on le reçoit, on est content, on fait des bêtises. Mais quand on perd le pouvoir, souvent on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre le pouvoir. Allez poser la question à ce président de l'Afrique de l'Ouest. Les Alassane Conté, les Boubacar Keïta, hein? Il y a Burkina Faso, il y a Mali. Ils étaient au pouvoir et pensaient qu'ils étaient des intouchables. Quand on perd le pouvoir, souvent on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre le pouvoir. Mais je prie, il a fait des bêtises énormes. Le Congolais ne l'aime plus, mais que Dieu lui donne juste un peu de sagesse pour qu'il sorte, même par la fenêtre, qu'il nous laisse en paix et qu'il laisse notre pays en paix. Toute autre manœuvre, toute autre voie que cet homme empruntera, prêtera le flanc et donnera des arguments et des prétextes aux gens qui sont en train de l'attendre au tournant. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et l'émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.